de l'état na sommet oyo et si gawapi agresseur et puis démocratique du Congo azali banguna pe ba inya mboka bazali mais moi na mboka souriant comme si rien n'était mon mboka. Voilà, lorsque le vice premier ministre Kamere représente Ndeko Félix na katia sommet wana, tous les actes aux opposés, il les pose au nom à Félix, on a quelque représenté. Mais pour dire que la question de l'Est est allée comme ils allaient couper entre Ndeko, Chimombo, même Ndeko Kagame. Fidèles téléspectateurs de Congo Live Télévision, de partout où il y a Mbabiso, Nabandako, Nabino, Nabisika, Nenge, Nenge, Bozoami, à ce net moment, Nenge, Tokobe, Tamasolo, il y a politique et République démocratique du Congo. Nous sommes là pour vous informer à temps réel, et Zali Moussala, Otoko Sala, à chaque fois, pour Nako. Présenter bien nos situations en République démocratique du Congo, politique ou bien sécuritaire, et tant même bien économique, il y a beaucoup de Nabiso. Mais les lots, Tokobe, Tamasolo, dans la République démocratique du Congo, Banamboka. Je pense Tori Makayango na ligne ya liboso ya une nationale na biso debout congolais et moi je pense que l'heure est grave et l'heure maintenant est là pour que congolais nous se tika ozwami au téléma pour que défendre mboka nayo parce que mutu mokote oyo avoir obunda pona mboka nayo tokobeta masolo na kata politique de République démocratique du Congo sommet o esangisi ba chef de l'état moko ya congolais oyo azali bongo VPN le ministre et économie à qui vous représentez chef de l'État, mais regard diplomatique. Est-ce fallait tout le monde la photo à boy ou tout le monde tout le monde Vital Kamerhe et Paul Kagame, bakoyambana tranquillement comme si rien n'était, alors que Kagame est présenté comme l'agresseur et la République démocratique du Congo. Est-ce que c'était vraiment très important pour développer et bon tout le monde a tenu et aboutissant parce que Paul Kagame aussi a parlé, mais il a parlé quoi? On va vous montrer la vidéo de Paul Kagame. N'a pas dire naïe. Mais de l'autre côté, parce que tout le temps, la situation politique n'est pas au Kindele. Tout le temps, la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Tout le temps, le processus électoral de Zali Nayango. Tout le monde, le président de la République, a sali le dernier conseil de ministres avant les élections. Mais le ministre peut pas démissionner. Mais la situation est en ligne. Mais tout le temps, la paix. Na kati ya opposition Afrique du Sud candidature commun il y a opposition et plutôt commune il y a opposition est-ce nani a comporté pour y a opposition face à Félix Antoine Tshisekedi na ba élection ezali koya esengela kitozo moko ya ba opposition mon mboka utokobenga kae affectueusement le professeur Ernest azali moko ya isidé question ezalaki à savoir Martin Fayulu Azalaki porté na 2018, est-ce Martin Fayulu a causé encore accepté pour que Akumba pour l'opposition en 2023 la grande question, mais nous allons aussi débriefer l'actualité na ba thématique mieux surtout innocé mon amour quand Mbote na. Mbote papa journaliste, Mbote la baïma, Congolais nous et puis maintenant la soirée est nous sommes des cœurs na bino par rapport à la situation que nous allons traverser ensemble, on est vraiment des cœurs na bango. Et on continue à les soutenir. La façon dont on continue à soutenir, c'est qu'on a vu sur l'Est pour qui maison on a parti ou on a mboka. Nous sommes mal de cœur avec eux. Mon mboka, na bandi ete, tant que toko beta masolo, vous allez acteur politique, na makanisia ki toko, na maeli ya makasi oyo, ou kotia na katia mboka oyo, na mosala monene, ou kosala ka à travers, mena apport na yo politiquement, tant que mon mboka. Tant que kota la analyse, y a scène politique. Enjeux électoraux, enjeux politiques de l'air. Mon amboka, analyse ni au sala, il y a beaucoup de côté dans la thématique que tu as énoncé. Analyse des alliés était classe politique congolaise, tu as échoué. Tu as échoué, nous avons échoué, tous ceux qui ont à gérer ont échoué. Et pas si les alliés étaient, bas alliés kondinga, kondima, échec ou alaté. Parce que dans la vie, échec est alaka, réussite peut être alaka. Mais ceux qui ont échoué, pour rebondir aucun des jours la réussite, il faut savoir pourquoi j'ai échoué. Il faut savoir une rétrospection. Na yo. Il faut savoir une introspection. Na yo moko. Il y a gestion, il y a moka, il y a la responsabilité de la vie. 63 ans après, tu as une ligne de l'ingénie. Tu as comme une place en ligne.
Nani asali mabe, nani asali ki malam, nani koto wako kende liboso, nani tozo wale susu, nani tozo wate, pou mbore e konetre ba meme derapage oyo, e sali miso 103 ans dirante. Paske, mauvaise gestion a klas politik, ba retombe la wazali pasi ya populasyon. Ezali pasi ya populasyon, me mwana mbokato wakota deja na vive ya sije, to mouni bongo soume oyo, e salami oyo moko aki ko represente chef de l'Etat, na banza ete, sou ki Sam ako ilustre le miso ba foto oyo, to ko mwana Vital Kamere ako ilustre le miso ba foto oyo, akangi na ba bato oyo ba ko agresse Republik Demokratik di Kongo, me avek boko de sourire. Avek boko de sourire oyo ezali le prezident Burundi, e... donc ndeko na biso ça ma ko illustrer biso ba photo wana nyoso mais mona mboka tant ni kotala vice premier ministre ministre de l'économie akei ko représenter chef de l'état na sommet oyo et sika wapi agresseur et puis démocratique du Congo azali banguna pe ba yini ya mboka bazali mais mona mboka souriant comme si rien n'était mona mboka voilà lorsque le vice premier ministre Kamere représente ndeko Félix na Katia sommet wana. Tous les actes oiseaux posés, ils les posent en nom à Félix, on a tout représenté. Donc pour dire que la question de l'Est, ils allaient cop entre Ndeko, Chilombo, Nandeko, Kagame. Donc, qui ont accepté de sacrifier nos populations à cause de leurs intérêts égoïstes. Parce que si l'agression, on ne peut pas subir les lots, ils allaient pas si même on a mouté un régime, ils allaient. Comment on a sommé un comportement en athée. Donc, pour dire que le pouvoir en place par rapport aux gens qui sont dans l'Est, ils ont ça dans le côté. Ils ont ça dans le côté parce que, au moment, c'est un sommet où l'aspect diplomatique joue aussi. Et tous les actes, tous les gestes, ils ont un message. Ils ont un message. Donc, il n'y a rien de conflit. Il n'y a rien d'opposé. En termes de vision, de stratégie entre Kinshasa et Kigali. C'est la population congolaise qui est sacrifiée par rapport aux accords entre les deux capitales. C'est tout ce qu'il y a. Sinon, Kamere allait se présenter dans son mère comme celui qui subit une agression, qui a, na katamite manaye, pas si elle a des connards, mais elle a violé, mais elle a couffé, mais elle a la belle étoile. Mais il se présente, bon, le coup l'a tout fait. Comme si rien n'était. Comme si rien n'était. Et en réalité, entre les deux, il n'y a rien. Il n'y a rien. Oh, donc, mais tout le monde, Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, a quoi indexé, a pas tamboli, a cette diplomatie dans le monde, réagression République démocratique du Congo, Paul Kagame, Paul Kagame. Mais pourquoi le même comportement n'est pas imprimé dans son mur, non? Mais est-ce que Vital Kamerhe a Félix Antoine Tshisekedi? Mais il représente qui? Il représente qui là-bas? Alors, si Félix n'est pas d'accord avec ça, à sanctionner, ce qui ne sera pas fait. Ce qui ne sera pas fait parce que le souci aujourd'hui, il y a pouvoir, il y a Kinshasa, c'est d'avoir encore le soutien de Kigali par rapport à l'enjeu Nélé-Kigali Kokende. Et il sait que Kigali, c'est un partenaire au niveau international. Comme ça, ce qu'on sent la carte, il y a Mindele, à cause qu'on a apporté un soutien quelconque, parce qu'il est bloqué. Il fait recours maintenant à ses anciens partenaires. On va dire qu'il a eu ma solo depuis 2018 pour que ben renouveler confiance, parce que je ne sais pas voir un ministre, un officier, parce que tout le monde attendait que Kamere a l'accès à solo, qu'il n'aurait jamais été d'accord avec le comportement de Kagame. Mais si cela n'est pas fait, il a reçu les ordres de son chef et il a agi comme son chef lui avait demandé. Voilà. Voilà, déjà tout le temps là, parce que Vital Kamerhe na sommet oyo ezala qui réuni na ba saoudien, Vital Kamerhe a parlé. Mais tout le temps la bino vidéo, il y a Paul Kagame aussi comme il a parlé, et mon frère Sam va illustrer ça. Mais tout le temps d'abord, à propos, il y a Vital Kamerhe na kati a sommet oyo ezala qui a lobby. Je lance un appel politique à tous les chefs d'État africains présents à ce sommet. Et aux leaders saoudiens, disaient de leur référence auprès de l'Ouganda et du Rwanda pour que la paix revienne à l'est de la République démocratique du Congo et qu'ensemble nous fassions de la région des Grands Lacs non pas
une partie de guerre, mais un lieu de développement, car Dieu a doté cette partie de l'Afrique des richesses innombrables. Les populations de Masisi et de Ndjuru qui nous suivent à partir de Yad seront très heureuses de voir enfin la paix poindre à leurs yeux. Dans cette guerre, ni le Rwanda, ni l'Ouganda, ni la République démocratique du Congo n'en sortira vainqueur. Nous ne comptons que de morts, malheureusement, et c'est ça qui fait reculer l'Afrique. Comme je l'ai dit hier à la tribune de Reuters à New York, prenons l'exemple ici de la France et l'Allemagne, qui étaient des belligérants redoutables, aujourd'hui devenus des complices. Et on parle maintenant du couple franco-allemand au sein de l'Union européenne, qui œuvre non pas pour rendre la guerre possible, mais pour œuvrer pour le développement de l'Europe. Africains, réveillons-nous. Et moi, l'Afrique, avec la volonté de toutes les parties, c'est possible. L'Afrique ne peut plus continuer à déstabiliser l'Afrique. C'est contraire à la volonté des pères de nos états. Kamere Ariad na somme wana oui salama ki et pas ya ba saoudien on les a à propos ya Vital Kamere malgré tout au monde quand même na photo. Mais je vous dis vous savez il a condamné Kamere. Non, attendez. Ça, c'est un discours qui est consommable à la population à l'Est. On dit A au fin B. Mais un leader, il faut les actes, les paroles, et ça va accompagner les actes opposés. Et il faut qu'il y ait une cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Mais papa, comment est-ce qu'on parle A au sein du B? On s'est cohérenté. Vous voyez vraiment Zelensky se retrouver dans un sommet avec, ou bien un envoyé de Zelensky, qui se retrouve à un sommet, dans Poutine, à se comporter comme un caméra. Alors, on ne comprend pas si l'agression n'a comment il faut une grande définition, monsieur. Ou bien, définition, on n'a pas fait une agression, même pas. N'a pas besoin de rien dire, n'a pas besoin de rien dire. Agression, ça n'est ni. Et quels sont les actes corollaires de l'agression? Pourquoi que qu'on peut s'agresser dans Mbote dans ma boue. Donc mon toi de mon maman là et là ça nié. Déjà mais il y a même un téléspectateur Oyo a commenté à Lobby, comment voulez-vous que le monde puisse nous prendre au sérieux? Comment voulez-vous que les autres considèrent nos cris et nos larmes? Imaginez-vous une minute un ministre palestinien en photo avec les présidents israéliens. Ah OK. OK. C'est ce que je vous dis. Soit la situation à Palestine et Israël, soit la situation à Russie et à Ukraine. Non. Il y a des actes que quand on est officiel, on est acteur politique. Bon, il y a des gens qui sont là, l'Union sacrée. Là, on va communiquer en Bango. Oh, là, oh, bah, ça la communication, le Golabino, oui, sacré la communication, oui. À l'intérieur, communication, non. Le message, c'est quoi? Dites-moi maintenant, en quoi, beaucoup, ce qu'on fondait, que dirais-je, beaucoup, qu'on condamné, section de l'autre côté, oh non, il n'incite jamais l'agresseur. Entre la personne qui n'a pas cité l'agresseur, non, tu veux qu'on s'allie l'agresseur. Non, mais agir, ma belle collègue. Moi, je vais vous dire, dans la population congolaise dans l'ensemble, les Ali Bongo, à propos de Paul Kagame, dans le sommet à Riyad, dans votre la bino, voilà. Et nous avons ensemble à illustrer un mot, et moi, j'interprète juste. And I want to warn people today. We warn people. Nous avons prévenu les gens. Et les réitères aujourd'hui. Lorsque les personnes ont franchi notre frontière et sont arrivées sur notre territoire, ils sont très nombreux. Quand les FDLR font
des désordres sur notre territoire, des tuants de personnes à Kinigi, et pour ça la fermeture de la station balnéaire. Et c'était le but de rechercher. And of course, et bien sûr, la réaction immédiate de ces gens n'allait pas au Rwanda, n'allait pas dans cette région. And then when et quand I do je fais quelque chose about à ce sujet, c'est comme you si are, vous faisiez une chose terrible. Oh, you want oh to keep vous voulez quiet. Me faire taire. Those people les gens ont fermé cette zone. Will lose nous avons tout perdu. And lose nous avons perdu des vies humaines. And then say, no, if we do this, cela, we shall blame you. Well, I'll bien, give you what to blame me for. De quoi vous allez me blâmer? Dans ce temps. We are nous sommes vraiment prêts à être blâmés. But we will be mais nous serons blâmés for doing pour avoir what fait we ce must. Que nous devons faire. We voilà, voilà les amis. Ma propos, il y a Paul Kagame. Paul Kagame est déterminé à l'obligé. Attends, vous blâmez la bino, vous blâmez Bissot. Parce que ma FDLR, ma moto, ma salaire d'exaction à Wana Rwanda. Bisope, tu dois attaquer. Mon amour. Voilà, vous avez suivi Kagame se plaindre. Un homme responsable, lorsque ça ne va pas chez lui, il agit. Même le discours des caméras là, il se plaint toujours. Comme son maître. Comme son frère, c'est qu'il dit. Qu'on se plaigne. Même Bassi, il n'a pas qu'à t'accoler là. Même Bassi, il n'a pas qu'à t'accoler là. Mais au moins, on va le lire là-bas, et en fait, de compte. Mais non, nous ne méritons pas un plénichard au sommet de l'État. Allez là, caca. Et nous avons compris, en fait, de compte qu'on est là-haut. Et ça, on est à théâtre. Quand vous allez, tes yeux, à ton tête, ton cabon, il y a un salaire à semblant, on est là-bas, on est là-bas, on est là-bas, on est la réalité, il est complice. Parce que regardez le comportement des cabons. Kagame comprend comment est-ce que les enjeux sur le plan international fonctionnent. La politique internationale, un, ce ne sont que les intérêts qui comptent. Deux, il faut imposer sa façon de voir les choses, il faut imposer sa manière, il faut imposer le respect dans la sous-région de Zali. Ce qui n'est pas le cas avec le Congo aujourd'hui. Nous imposions le respect à l'époque avec Mobutu. Nous avons aussi essayé d'imposer le respect avec Mosé. Même Kabila ici, Kabila fils, Joseph. Joseph, à un moment donné, c'était des accords. Mais il avait compris. Parce que nous, encore la CNDP, Missy Moutou a rébellé, qui demande encore plus. Qui demande en plus, il y a un 23 à 4 Kabitoli dans l'Arabe. Et vous avez vu, le lieutenant Colonel Mamadou Ndala perd son âme, finir avec cette histoire de M23. Mais même Kabila, comme il a dit, dans Souk, quand même, à Kambouana. Ma personne numéro A, Monsengi Sou B. A personne numéro B, Monsengi Sou C. Jusqu'à ce qu'on a monté des stratégies à partir de une opération militaire coordonnée, tout ça par des gens qui étaient sincères. Pour une trahison, la carte a précaré. Voilà. Et vous avez vu Mamadou Ndala faire le travail sur le terrain. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Vous avez un petit qui était pire, petit en Fatih, qui a fait tout ça aujourd'hui, c'est un colonel. Allô? Vous avez dit pire, camarade, né, tout ça, mais c'est un major. Le monique, quand même, va changer, mais ça, il m'a même dans l'Est. Non, c'est-à-dire, le monique, Constant dit, m'a quitté, Chirimoua, mais aussi, à Yéyé, Pays, il y a un nouveau. Est-ce que c'est un coaching payant? Est-ce que c'est un coaching payant? Parce que le Congolais, parce qu'on a pensé à un changement inutilité. Quand on a pensé à coaching payant, tu le monde, tu check in l'ami, vous savez le monde. Mais depuis que notre frère est là, combien de nominations, combien de permutations à commandement et les résultats? Non, les permutations de nomination, c'est tout le monde le font. Mais le vrai problème, mes amis, rendement, il y a battu au Tindi. Avec quelle mission? Avec quel résultat? Bon, on a dit X pour la ligne. Bon, tiens, Y pour la ligne. Et après 6 mois, après une année, vous évaluez la personne. Et ça a marché ou pas? Ce que nous trouvons bizarre, les amis. Le service de renseignement, et puis ça va nous causer. Mais le manos sur la personne, pour après ça, il faut en boca. Que font nos services de renseignement? Les Belges ici, le général-major belge, Christian Daywell, qu'est-ce qu'il fait dans l'ANR? C'est un belge, non, c'est un belge, c'est pas un secret. Alors, dites-moi, on reprochait à Kagame de nommer les étrangers comme officiers dans Mouka.
Même le Congo, c'est un belge, je tiens à servir à l'enseignement à Congo. Qui dit mieux? Mon amour, quand vous parlez, il y a le service à renseignement, quand vous parlez déjà de la situation, on a ramené juste. Donc, filet téléspectateur Congo Live Télévision, les lots, tant qu'on a essayé de faire l'émission, que l'heure est grave, l'heure est grave. John Lumbi a présenté l'émission Lettre Oyo. Voilà, Lettre Oyo, John Lumbi. A présenté les bisous à moi. Alors, bien, ça a l'être mon corps secrète. N'en a pas oublié ça, va contenu. N'a pas tangé la bino. Ils ont l'être lettre à ministère des Affaires étrangères de la francophonie et des Congolais de l'étranger. Ils ont pas l'air le tonneau là. Ils ont signé à Brazzaville le 7 novembre 2023. Donc, c'est. Ils ont. D'actualité. Donc, notre ministre a signé le document, là, il n'y aura pas un ambassadeur. Le ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger présente ses compliments à la délégation de l'Union européenne et, de la République du Congo et à l'honneur de l'informer à l'organisation des 10 novembre 2023 à 15h juste au siège du ministère des Affaires étrangères de la cérémonie de la signature de l'avenant accord relatif à l'évacuation des ressortissants originaires des États membres de l'Union européenne en cas de détérioration de la situation politique en République démocratique du Congo. Le ministère des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger saisit cette occasion pour renouveler à la délégation de l'Union européenne les assurances de sa haute considération. Signé Brazzaville, 7 novembre 2023, délégation de l'Union européenne à Brazzaville. Alors, John Lumbi dit, l'Union européenne signe un accord secret avec le Congo-Brazzaville pour l'évacuation des Européens vivant en République démocratique du Congo en cas de détérioration de la situation politique au mois de décembre 2023. J'espère que Félix Antoine Tshisekedi et ses amis belges ont déjà renouvelé leur passeport. On est à propos de John Lumbi. Après l'être Oyo et signé à Brazzaville, mon amoka. Est-ce que déjà tant que tu as la procession électorale, Oyo? Tout comme on a eu la John Numbia Kolobake, Kao et Kouzala. Tu l'as nagapé, Monseigneur Chola Lobara, RDC pour subir Kao. Est-ce que nous sommes Oyo et que vous m'avez déjà, moi, des ordres de na, avant le 20 décembre, tôt après le 20 décembre, dans la 4 République démocratique du Congo? Mais, papa, nous sommes journalistes. Des ordres, il y a des ordres déjà. Mais oui, les autres ont déjà. Si je prenais ça qu'à le mettre, et prenais ça qu'à mettre dans le babola. Et il y a un estime, mais ma cale est dans le babola. Tout le monde a un nombre de temps, ma pénicité, je le mets. Mais ma cale, ma tchèque aussi, ma pénicité, je le mets. Pétrole, il connaît ma cale. Ben, mais tu es là, moi, avant. Bon, babola, les a déjà, ma cale les a déjà, pétrole, il a déjà. On attend seulement à mon tata. Si jamais tu fais au monde Makala et Félix. Tu es déjà là. Nani, Baza, Makala, Baza déjà. Mais la situation est chaotique. Ah, voilà, la situation est chaotique. Tout a été préparé. Il y a un moment où on a un peu de temps. On sait le grand nom de Zokende là. Mais ce qui m'a fait quand même Zokende, c'est ce qui m'a fait. Après décembre, comment on va se faire la guerre civile? Mon Dieu, t'as mis ça capitale la plus proche. On a encore ça va attendre à boîte. Attendre avant non. La canon rapide. Bas la paix pour bas pas là-bas. On est pas à ville. Parce que gérer c'est pouvoir. Nous nous gérons comme des petits enfants. La nous sommes bien une mettre ça dans le compte de chef du gouvernement tout nié. Mais il sait qu'est-ce qu'il peut faire pour la moka. À éviter. Le premier ministre, je ne sais pas. Allez, côté, parce que c'est. Donc, mon amour, Ernest, il y a le gouvernement congolais, l'autorité congolaise, basée sur la mesure préventive. Attends, parce que ça a tâtonnement, on réfléchit à autre chose et non à la République.
Aimer la République. Dites-moi quelqu'un qui pense République a fêté anniversaire. Ministre de la Défense, hein, mon conseiller Mapinga. Et le moment où on Mapinga a mis son désalli en première position, la situation, parce que la sécurité couvre tout. La sécurité couvre tout. Peu placé en rablé, on lui parlait. La priorité, paix n'a paix. Et avant paix, il faut payer ça là. Parce que ceux qui nous ont dit que nous avons dit que nous avons dit la bilanga. Alors, un vice-premier ministre, ministre de la Défense, dans l'image, il va comment on a les lots, les alliés d'affronter, à motiver la militaire, à ébattre, qu'est-ce qui se passe. Dans l'image, il va comment on a les alliés d'anniversaire. Oh, monsieur, l'économie. Tant qu'il y a des gens qui ont été en train parce que les militaires ne peuvent faire l'eau. Il faut quoi? Moi, il n'y a pas, il faut carburant. Il y a des années de sommet. Alors, c'est quand même agressé. Les retours, nous n'en parlons pas. Une semaine, c'est fait. Ah, c'est fait. Il y a des gens qui ont travaillé tout le monde. Il y a des gens qui ont travaillé tout le monde. Il y a des gens qui ont prévoir. Rien. Mon amour, avant, si vous avez été en train de se faire, vous avez été en train de dernier conseil de ministre. Mon dernier conseil des ministres avant l'élection, mais jusque-là, tout est dit qu'il y a une incompatibilité entre le ministre et votre campagne. Entre la fonction, à ce qui fonctionne, à ce qui a d'autres affaires, il faut à ça la mise en disponibilité. Mais le dernier conseil des ministres avant les élections, le ministre va toujours en fonction, le mandataire va postuler va toujours en fonction, tout le monde est toujours en fonction, tout le monde a démissionné. On a une réponse à Mouyayaté. Alors, non, bon. Incompatibilité zalite entre ministre, mandataire public, na kozala candidat député. Incompatibilité zalite. Et votre problème, c'est quoi? La différence sur le plan moralité avec les régimes passés. Régime passé, bah, il n'en pas comme ça. Mais il s'est caché derrière les événements. Ils essayaient de faire voir même la public. Que bâton, ça a un moment. Mais ça, on a quasiment le mot d'année. On marche, on y va agir. Pour rendre les comptes, il y a la bataille de Kouboumi Sabango. Mais l'actuel régime, pour les amis, même le respect à mon père, respect à mon père, mon père, pour le moment, on a montré la réalité. Donc, moralité zéro, c'est la médiocrité à outrance. Donc, on sait dans le moment où il y a eu face à ça. Remarquez, mon père, tous les militaires de ce régime, en bouteillage pour atteindre l'assassiné. Et ça a l'air d'absolument rien. C'est eux qui sont censés faire respecter la loi. Vous devez commencer par respecter la loi. Pour que les autres, parce que vous servez d'exemple, vous servez de modèle aux autres. Faites une observation simple. Tous les dignitaires actuels, en bouteillage pour atteindre l'assassiné, sans remords. Sans remords. Bon, mon amour, quand on dit, était tout chuté. Dans la moralité, pour la union sacrée, n'attendez pas cela. D'ailleurs, au moment qui. La majorité n'est même pas excellée dans le film à pornographie. Non. 2018, Isalaki Genève. Et Martin Fayulu à la tête et opposition. Mais n'attends pas, moi, le Kondo Monezali, Moukwe Gaïa, le Bike Ngaï, Moïse Katumba, le Bike Ngaï. Est-ce que, en 2023, Martin Fayulu a osé la tête et opposition? A cause de la tête, pendant 2018, la tête et opposition, c'est Martin Fayulu. Si on présentait des éléments que les autres n'en ont pas. Il est resté seul, constant, face au régime en place. Vrai ou faux? Constant, sur tu vas te douter. À l'objet que non, 2018, il y a une élection, c'est machine à voler, machine à voler. À qui est l'élection? 2023, à l'objet que non, on dit affiché électoral, les salamités, tout le monde qui était, tu as induit, on a mis nous sur la 4 erreurs, pour postuler, hier on a postulé. Constant, c'est ça. Ma tête qui réfléchit, la même rébellion. Sauf qui, qu'on déposait la candidature, on a dit ça. La députation nationale et provinciale. Et ça là qui, erreur. Vous ne me verrez pas parler au nom de la Mouka et Sidi aujourd'hui. Le problème, c'est quoi? Il y a vraiment un projet de société, il y a Sidi, il y a la Mouka. Investir dans l'homme
pour développer la RDC. Nous voyons la tête. Ça fait 30 ans, 35 ans, tous les régimes gérés pendant 35 ans m'a permis éducation. C'est pourquoi l'homme congolais oublie même que la 2018, le président Martin Fayulu a imposé la ligne de conduite. La machine à voter a été utilisée comme simple imprimante. Et non, machine à voler. Mais nous avons été écoutés. Premier élément. Deuxième élément. Il n'y a pas eu transmission. Il y a un résultat par voie électronique. C'est pour ça que nous avons bloqué même un Kabila à ne pas bouger les urnes. Et il était dans l'obligation de fabriquer les résultats et nommer tout le monde. Sinon, vite était notre clairvoyance, tu sais que Kabila, vous savez qui serait président de la République. Les Congolais, Babo Sanyango. 5 ans durant, les Congolais, il faut avoir un dictionnaire, mon délai c'est à souvenir, mais quand il y a un téléphone, les amis. Bata la constance, les amis, et puis dynamisme politique, les amis. Il est constant. Nous sommes restés constants face à notre combat. Et ce qu'il a fait, c'est le dynamisme politique. C'est-à-dire quoi? Vous avez demandé une chose. Audit et affiché électoral. T'as dit ma refuse. Mais après un moment, il y a des partenaires au processus électoral qui se présentent, qui vous présentent une autre manière de contrer la fraude. Parce que l'objectif, alors le but du fichier électoral, c'était de contrer Kadima, à ne pas nommer pour la deuxième fois son cousin Tshisekedi. C'est ça notre souci. Alors, comme il y a des partenaires, l'Église catholique et l'Église protestante, nous présentent un autre dispositif. Faire une tabulation parallèle pour contrer la fraude, c'est que nous avons accepté, il n'y a aucun processus. C'est pas nous qu'on a. Nous avons aimé cette décision-là parce que ça nous a aidé aussi de nous séparer des opportunistes. Qui était là? Qui n'a jamais compris le vrai sens de la combat à Fayulu dans la Mouka? Et voyait leur ventre. Nous, on parlait République, et parlait leur ventre. Ils sont libres, ils étaient libres de partir et se rallier à ceux qui parlent le ventre. Ils avaient une mauvaise décision. Non. Et aujourd'hui, ce que nous disons sur le lot, Azakoleba, c'est quoi au but affiché? Comment contrer la fraude? Mais peuple est maintenant éveillé. Parce qu'on ne peut pas permettre, comme leader politique, d'organiser une deuxième erreur à la population, un fraude d'éducation à 2000. Mais tant que Moïse Katumbi, Azawana, comme moi, Poua, et l'autre ici, Moukwege, Azaliwana, Martin Fayulu, à quoi s'aligner derrière, tout le monde va s'aligner, il y a un peu de temps. Si on va s'aligner, il y a un peu de temps, est-ce qu'il y a un mot d'ordre? Nous étions au congrès à Kisangani. Parmi les résolutions, nous avons dit ceci. Décider désigne Martin Fayulu Madidi comme un candidat président de la République ISID. Nous sommes arrivés dans la Mouka peut opter pour cette décision-là. Nous avons dit ceci, nous avons autorisé le président Martin Fayulu de faire alliance avec n'importe qui pour partager la même valeur en Abisso, même vision en Abisso. Maintenant, s'il met un candidat, on est. Donc, nous, la Mouka, on ne voit pas le président Martin Fayulu céder à une quelconque pression ou proposition pour soutenir une autre candidature. Pour nous, c'est Fayulu rien, qui est le candidat de l'unité nationale. Mais les autres, s'ils veulent se rallier à notre combat, c'est de passer derrière Fayulu. Point barre, là, on ne discute pas. Pourquoi? Parce qu'il est resté 5 ans constant. Alors, les autres sont allés à la major. Quand tu peux vous citer là, allez à la major. Réalisme, réalité, combat, réalisation, combat politique au président Martin Fayulu a mené pour Mbokao. Moukwege dans le parcours à la terre. On ne sait pas céder devant Moukwege. Les autres là, vous le savez, lorsque Fayulu combattait Kabila, ma tête était premier de Kabila. Donc, il y a aucun candidat, à notre entendement, qui peut passer chez Fayulu, devant Fayulu, à sa tête. Donc, retenez cela. Merci beaucoup, moi, Namboko. On a bien dit, donc, comme une ambition à Souka, je vous donne juste 30 secondes parce qu'on a déjà épuisé, on a dépassé les 2 minutes. 30 secondes.
Message de la population, Ezali, c'est de rester vigilant et de ne pas sombrer dans le discours aux autres. Comme on dit, et comme on dit, j'ai un tennis, j'ai un ping-pong entre Kigali et Kinshasa. Ça, c'est pour nous distraire. Restez vigilants. Nous n'avons que ce pays, monsieur Zaté. On est Congolais, on est que la République démocratique du Congo. Donc, restez tous vigilants. Derrière le commandant du peuple, le président Martin Fayulu, tant qu'on m'a tiré au bon port, tant que ça m'a dit qu'on a passé, et bien comme on a dit ça, comme on a dit ça, étant à mon amour pour les générations futures. Au cas contraire, tant qu'on sombre dans les oubliettes pour toujours. Voilà. Merci beaucoup, mon amour. On a été fidèle téléspectateur Congo Live Télévision. Merci d'avoir été des nôtres. Merci, Nabino Nosundegui, vous avez dit que vous avez informé dans mon collègue. Mais, mon amour, ngai pa na ngai awa émission na nga na fini salamu na biscuit c'est-à-dire ils en a parti on nga na dinga mingi yango to komi parti oyo mona mboka mutuna ezaka moko oza derrière Fayulu le président oyo 2018 année ko réclamer vérité des urnes faut aussi ça le président élu parce que na nga mon c'est président nommé yango na zuya OK yango na zuya année ko réclamer akoma même président, na carte de la République démocratique du Congo, tout le monde a deux présidents. Parce que l'ami Baletti, c'est quoi? Nommé, na élu. Mathé Fayulu dirigeant. Pardon? Mathé Fayulu dirigeant. Non, la réalité, Zali, ça, c'est pas. Tout le monde connaît.